Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce troisième vlog. J'espère que les deux premiers vous ont plu. N'hésitez pas à aller les voir si vous les avez ratés. Aujourd'hui du coup on a joué ce matin un petit peu. Louise s'est réveillée assez tôt, Jules à 8h par contre. Et là je viens de me préparer tranquillement pendant que Jules faisait la sieste. Donc c'était plutôt cool. Et là on va s'attaquer au placard de notre chambre. En fait je veux changer les affaires. On va changer de placard. Non, on va juste changer de place les vêtements dans le placard. C'est-à-dire qu'on va monter tout en haut tout ce qui est hiver et on va descendre tout ce qui est été. J'ai déjà sorti les mailles hier soir pour pouvoir les trier et les ranger, puisque à chaque fois je fais aussi du tri, voir ce que je garde et ce que je garde pas. Donc on va faire ça ensemble. Attends. C'est parti. Mais avant toute chose, on va faire le lit pour commencer. Et regardez ici, c'est les piles que j'ai faites hier, donc avec les choses que j'ai triées et les chaussures que j'ai aussi triées, qui seront à vendre sur mon compte Vinted. J'avais donc sorti toutes mes mailles hier, donc elles sont là et hop, je les range en tas. Globalement pour les pulls je les garde tous parce que j'ai déjà fait un tri il n'y a pas longtemps. Il n'y a que celui-ci, je ne sais pas si je vais le garder. Je l'ai acheté cette année, c'est le Becky de Cézanne. Et en fait il tient hyper chaud et il fait pas hyper froid chez nous. Donc finalement je l'ai porté une seule fois et je pense que je vais pas le garder du tout. Alors là du coup je vais descendre les vêtements d'été. Et comme vous pouvez le voir j'ai plus grand chose parce que j'avais aussi fait un gros tri. Ce petit sac par exemple que j'ai beaucoup porté mais je sais pas si je vais le garder pour le coup. Quoique je l'aime bien quand même. Moi aussi je l'aime bien. Je le garde Loulou ? Je l'aime bien. Je le garde ? Oui. Allez ok. Mais ce que maman va faire c'est que je vais le remplir pour le ranger. Pour l'été qui se déforme, là il s'est un peu déformé, vous voyez ça c'est pas bien. Concernant les vêtements au moment de trier, j'ai une seule règle. Tout ce que je n'ai pas mis pendant la saison, je vends. Parce que si je les ai pas mis pendant une saison, il n'y a pas de raison que la saison suivante je les porte. C'est le cas de ce petit top. Je l'ai pas mis cette saison, je l'aime bien hein, en soi. Mais si je l'ai pas mis, c'est qu'il m'a jamais tenté, donc pour le coup il sera à vendre. Alors j'en suis là, mais comme vous pouvez l'entendre, Jules se met à avoir faim subitement. J'ai rangé uniquement mes pulls tout en haut et j'ai commencé à trier. Canaille a faim. On va manger mon Jules. Ah, remarque, dans les bras de maman, tout va mieux. Mon petit cœur. Quelle petite larme. Qu'est-ce que je l'aime à la folie. Finalement, il voulait juste faire autre chose en fait. Donc on est descendu, je l'ai mis avec son tapis d'éveil et il est trop content. Il voulait pas être couché, donc je l'ai surélevé un peu. Et voilà, il joue avec ses trucs suspendus. T'es un petit joueur en fait, toi. Hein, hein mon coquin. Eh oui. Eh oui, oui. J'en ai donc profité pour ouvrir une petite commande Méligeau. J'ai fait une commande pour, à l'origine, prendre des sandales à Louise parce que là, il fait super beau. Et je prends chaque année les mêmes. Ce sont des pommes d'api et elles sont topissimes. En général, je prends une paire camel et une paire dorée. Et ça fait tout l'été sans problème. C'est vraiment increvable. Et voilà, elles sont hyper confortables aux pieds. Elles irritent pas du tout. C'est du cuir, bien sûr. Et je les trouve jolies. Je sais pas si vous connaissez cette marque, mais j'ai aussi pris un petit t-shirt de chez PlayUp. C'est une marque très sympa sur Méligeau. En fait, là, en ce moment, il y a des promos. Il y avait moins 20 ou moins 30%. Donc, j'en ai profité pour valider des choses que j'avais mis dans ma wishlist. Et ça, j'adorais, en fait. C'est en lin. Il y a un joli col Claudine, un petit effet blouse. Donc, c'est un bon basique qui fera tout l'été. Je lui ai pris une belle robe, sûrement pour un mariage qu'on a cette année. Donc, c'est une tartinée chocolat. J'ai craqué sur ce motif cette saison. Tartinée chocolat, pour le coup, c'est jamais en promo avant les soldes. Donc, du coup, je l'ai prise à plein tarif, mais je la trouve très belle. Et pour le coup, ce type de robe, à la fois, ça va servir pour une occasion, puisque là, c'est un mariage. Mais clairement, on va commencer à la mettre dès maintenant et elle en profitera jusqu'à la fin de saison. Et petite astuce, quand vous investissez dans des pièces chères comme celle-ci, puisque cette robe, j'ai pas retenu, mais je crois que c'était 85€, ce qui est quand même très cher pour une enfant. C'est que la saison d'après, vous pouvez vous en servir comme blouse parce que du coup, l'enfant grandit. Et vu que ça a une coupe comme ça qui fait très blouse, et ben au lieu de lui aller long comme une robe, ça lui va court comme une blouse. Je sais que je fais ça avec les robes de la marque Louise Micha qui sont chères aussi dans ces mêmes tarifs-là, mais qui du coup me font 2 ans. Parce que la fois d'après, justement, je les utilise en blouse avec par exemple un t-shirt en jean. C'est le cas de celle de l'année dernière que je viens de ranger dans son placard qui est trop belle et qu'elle adore.
Et bah, elle l'a porté toute la saison dernière de Pâques, donc d'avril jusqu'à fin septembre. Et là, je l'ai gardé dans le placard et avec un petit short en jean blanc, on va la porter en blouse, donc elle va refaire toute une saison. Donc voilà, c'est la petite astuce pour rentabiliser si vous craquez sur une pièce chère. C'est ce que nous on fait et ça permet de, voilà, de déculpabiliser un peu l'achat. Et surtout après, les belles pièces comme ça, ça se revend aussi. En général, une belle pièce à 85 euros comme ça, on peut la revendre à au moins 35 euros si elle n'est pas abîmée. Donc voilà, c'était la petite astuce du jour. Et à Jules, j'ai pris un body comme celui-ci de chez Petit Bateau. Je l'avais en manche longue, donc là on l'aura en 6 mois en manche courte. Pareil, il était à 9 euros au lieu de 15 euros, donc ça valait le coup. J'ai pris une combinaison chez Playup. C'est vraiment une de mes marques favorites pour filles comme pour garçons, mais encore plus pour garçons, je crois. Donc c'est une petite combi en gaz de coton avec les boutons en bois et qui est rose, vieux rose. Donc voilà, ça peut faire pour une fille comme pour un garçon, mais c'est dans la collection garçon pour le coup. Parce que la coupe fait relativement garçon, le col simple comme ça, le bois. Pareil, j'ai pris un body tartiné chocolat manche courte. J'en avais un manche longue, donc là je voulais un manche courte. C'est un 6 mois, donc c'est vraiment pour aller maintenant. Parce qu'en plein été ici, on mettra plus de body. Donc ça c'est vraiment pour les 2 mois qui arrivent. C'est pour ça que j'ai pris du 6 mois et pas du 1 an ou du 9 mois. Mais voilà, je les trouve trop mignons. Ils ont une matière très très douce, les tartinés chocolat. Pareil, c'est un investissement, ça coûte cher. Je n'achète pas 15 000 dans la saison. Clairement, j'en achète en général un, grand max deux, si vraiment c'est l'hiver par exemple. L'hiver, j'en ai pris deux, mais sinon un, ça suffit largement. Il suffit de le laver dès qu'on l'a porté. Et comme ça, dès qu'on a à nouveau envie de mettre une belle barboteuse ou quoi, avoir quand même un joli col, c'est plus sympa que les body H&M que j'ai classiques. Le loup a reçu ses nouvelles sandales, du coup, on les met tout de suite. C'est les mêmes que l'année dernière en fait, mais vraiment, elle est super bien dedans et la couleur, ça va avec tout. Ce petit baby est repu, mais il nous a fait un petit cafouillage. Au menu ce midi, de super bonnes brochettes de volaille avec une marinade, citron, un peu de curry, du thym, c'est super bon en général au barbecue. Et en accompagnement, je vais faire une petite poêlée de courgettes. Donc là, j'ai mes oignons, je vais mettre des courgettes, je vais rajouter de la tomate, un petit bouquet garni, ça devrait être pas mal. Voilà, j'ai donc fait revenir les petits oignons, j'ai ajouté les courgettes en rondelles, je viens de mettre des tomates, j'ai rajouté un poil de vin blanc et un peu d'eau. Et là, je vais couvrir après avoir mis sel, persil et ail. Voilà le résultat. Loulou a hyper bien mangé. Elle s'est régalée avec les courgettes et avec les saucisses. Du coup, elle a le droit à une petite glace. Aussi une fleur, tu veux une fleur bleue? Non, une fleur rose. Elle est déjà là. Non, ça c'est un violet. Et en haut, tu sais ce que tu peux faire? Tu peux dessiner un soleil. Le crayon paillette jaune. Ah, le crayon paillette jaune, il est là. Ouais. Et là, tu me fais un beau soleil ici. Voilà, regarde, on montre ton dessin. Non, je veux encore des coquillages. Ah oui, bon, alors tiens. Coquillages. Je crois qu'il y en a plus, ma maison. On va regarder la... Louise dort depuis 2 bonnes heures. Du coup je l'attends pas pour aller faire mon petit run sur tapis. Du coup Jules est ici en train de regarder son papa. Et voilà, je vais me faire mon petit run vite fait. J'ai bien profité de Jules, je suis restée avec lui sur le canapé, donc ça c'était cool. Et regardez comme il est beau ce petit chouchou. Allez, je vais aller courir un petit peu. Il y a eu un petit faux départ, j'avais oublié de mettre mes chaussures. Mais ça y est, je suis sur le tapis, c'est parti. Parce que c'est bien beau de vous parler sport et de vous parler de trucs cool. Mais la vraie vie, c'est que cet après-midi, je me suis paluché 4 machines et tout le pliage des vêtements. Et après, il faudra faire le repassage. Tout ça. Pendant que je vais faire à manger, Louise est sur son cahier d'activité. Elle adore ces trucs-là. Donc là, elle est en train de faire, vous savez, les trucs où il faut trouver le chemin qui va jusqu'à la bonne personne. Non. Non, c'est pas ça? Bon, alors fais le deuxième. Je sais pas si vous vous souvenez, mais ce midi, du coup, Louise a mangé de la chipot et elle a pas mangé sa brochette de poulet mariné qui était excellente. On l'avait cuite quand même et on l'a gardée. Et ce soir, j'en fais une salade. Donc, je mets des jeunes pousses. J'ai mis des tomates. Là, j'ai ajouté le poulet que j'ai coupé en lamelles. Je vais rajouter un petit peu de comté. Et après le comté, j'ai mis aussi du maïs. Comme ça, ça fait une salade bien complète. Pour le soir, c'est parfait. En tout cas, moi, c'est exactement ce que j'aime manger. Un petit peu de vanille sur des fraises, ça va être très bon. Vu que Louise a dormi dans notre chambre, du coup, je dois absolument continuer maintenant de ranger ça, sinon on ne pourra pas dormir.
voilà, fin de journée, Loulou est au lit. Jules dort depuis déjà 1 heure, il est quand même plus tard qu'hier, il est 21h20. Du coup là moi je vais mettre les au montage pour pouvoir vous proposer ce vlog demain. Et j'espère que ça vous a bien plu. Aujourd'hui du coup c'était quand même une journée assez cool et j'ai toujours pas fini mon rangement dans la chambre. Donc ça je finirai demain. Et en attendant je vous fais des gros bisous. À demain.